Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, on est là pour un autre quickie. Cette fois-ci, on s'en va du côté Street Fighter, une figurine Street Fighter que j'ai pu me procurer chez mon fournisseur officiel, Planet Otaku. Nous parlons de Street Fighter Knockout, on a déjà unboxé Chun-Li, maintenant on va unboxer Kami. Voilà, c'est de nouvelles figurines que j'ai vues, j'avais jamais vu avant, et elle me rappelle un peu les Rock Candies, plus portées vers le Bombshells de DC, mais de Street Fighter, ça m'a ramené à mon enfance. Qui n'a pas joué Street Fighter, de ceux qui ont mon âge, dans la trentaine? Donc, on a tous mis la main dessus, on s'est tous bastonnés dessus, mais bon, on perd plus de temps, on va passer à l'unboxing de la figurine Street Fighter's Knockout, Kami. On perçoit les jours en minutes, quand le rush nous prend de panique, on te le dit 20 fois à Montréal, 5 fois à Trois-Rivières, 5 croix, j'ai de la bière plein de fois, j'ai les nerfs plein de soi, des fous sur le SOS, on est à la dérive, à moins que le temps l'hiver ça laisse, laisse-moi, j'ai du recul à prendre, les années passées, formé clair de janvier à décembre, hier ne revient jamais, c'est mon slogan. Et voilà, elle est de toute beauté. Et mignonne à la fois. Donc, Kami, voilà. À l'arrière, j'adore ses tresses. Voilà. Oui, de toute beauté. Avec des cicatrices au visage en plus. Qui ne l'enlève rien à son charme. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes à ce point nostalgique comme moi d'aller chercher des figurines qui vous rappelleront votre enfance telles que ces figurines-là? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, ben, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Et encore une fois, moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao! Tes journées t'en manquent, yo, faut que tu vives avec. Même si tu cours, même si t'essayes de rattraper le temps, il va toujours trouver pareil. Même si t'es le moins occupé du Québec, tes journées t'en manquent, yo.